semana chegou. Em casa eu não vou ficar. Sexta-feira eu vou sair, vou farrear. Six minutes. Ouais. C'est ok? C'est bon? Good game. Ouais. Ladies and gentlemen, welcome to the stadium. Stade Rio Play. Argentina against France. C'est en espagnol? La formación elegida por el partido. Ahora la expectación mucho en el estadio cuando comienza el partido. Oh! Aïe, 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 aïe! Oh! T'as vu ça? Ça, c'est de la défense. Ah, tu croyais que t'allais marquer tout de suite? Mais nul, Magello, putain! Qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe, aïe! Ah! Je m'en fous, je me jette. Y'a rien, y'a rien, y'a absolument rien. L'arbitre est là pour arbitrer. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Oh oui! Putain, j'ai pas touché un ballon, je fais que défendre. Mais je m'accroche, hein. Il est hors jeu! Ay, la puta que me parió. Putain, c'est quand la mi-temps là, j'en peux plus, je fais que défendre. Penalty. Mais penalty de quoi? Y'a rien. Bien joué Magellan. Qu'est-ce qu'il y a? Faute. Ouais, tu vois, ça c'est les Argentins. Non. Ouais, dès qu'ils sont dominés, ils font des fautes. Aïe, aïe, aïe. Gol, carajo. Gol. Un cerveau. Normal. Alors j'ai pris un coup derrière la tête, mais c'est pas fini. Je vais te couper en deux, je vais prendre un carton rouge. Mais je vais te couper en deux. Voilà, ça c'est les Argentins, tu vois. Allez, allez, allez. Ça essaie de gagner du temps. C'est un jeu nul ce que tu fais. Ça joue, hein? Ouais, ça joue. Ça joue pas mal, hein? Ouais, ça joue au football. Dale, Lio, dale. Dale, Lio. Ah, 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 oh, putain. Pour quelqu'un qui joue jamais, hein, parce qu'on m'a dit que tu passais des heures là. Ah, c'est pas vrai. Ah, le Messi. Bien, bien, bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Merci. Si t'avais pas mal au genou, je t'aurais montré ce que c'est qu'un vrai joueur de foot. ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Il y a 8 ans. 8 ans. Ouais. Tu l'as connu ici ou là-bas? Non, là-bas. Toi, t'es de son village? Oui, c'est la même ville. Et tu penses que ça va être un papa comment? Je pense qu'il va être un très bon papa. Ouais. Ouais. Il a des frères et sœurs? Il est des frères, trois frères. Trois frères, ouais, une grande plus. Famille. Ouais. Ouais. Et Martin, tu le sens qu'il est heureux là à Bayonne? Il est bien? Oui, il est très bien. Oui, oui, oui. La dernière fois qu'il a signé, il était très sûr. Il m'a dit, je voudrais rester ici. C'est très bon la ville pour avoir un enfant. Bon, j'ai déjà, savais que j'étais enceinte. Et il m'a dit, j'étais très sûre de ça, donc oui, c'était... Tout va bien alors, oui. Une belle période de la vie. Oui, oui. Je lui désire qu'il vaya bien. Il a fait beaucoup d'efforts pour être où il est, donc je considère qu'il se le gagne. Comment on dit je t'aime en espagnol? Je te amo. Alors tu peux lui dire. Te amo. Voilà. Bon, t'es bien dans ton club, dans ta vie. On a discuté avec ta petite femme. Elle est magnifique. Le bébé, merci. Bientôt. Ouais, dans 2 mois. T'es heureux? Oui, franchement, je suis heureux. Comme tu l'as dit, je suis très content ici au Pays Basque. C'est vrai que la famille et les amis sont un peu loin, mais non, je suis très bien. Tu penses que tu vas être un papa comment? Gentil? Tu vas être sévère? Il faut essayer de trouver une limite entre les deux, non? Être sévère quand il faut et cool deux fois. Comment tu te vois dans 10 ans? Déjà, ta femme veut 3 enfants. Je ne sais pas si tu étais au courant. Donc, dans 10 ans, tu en auras peut-être 3. Tu te vois où? Ici, en Argentine? Je sais pas. Entraîneur? Non. Avocat? Peut-être, oui. Je ne sais pas si avocat, mais oui, avec les diplômes. Ça, c'est sûr. Là, je suis en train de monter une entreprise de construction, là-bas, avec un ami.
Ou en Argentine? En Argentine, oui, mais c'est aussi l'idée d'acheter une maison ici en France. Donc, pour le moment, on va rester ici. C'est bien aussi parce que je parle bien l'anglais. J'essaie de parler français. Mmh. Et là, je vais commencer à étudier allemand. Donc, mon idée, c'est de faire avocat international. J'ai la possibilité de parler espagnol, j'arrive à parler quatre langues, ça sera très intéressant et comme ça je pourrais rester ici en France. Comment tu es venu au rugby? Parce que tu m'as dit que tu étais un féru de foot, même si on a vu qu'à la PlayStation, bon, bah, tu as un certain niveau, hein, mais moi je ne pratique pas autant que toi qui ne fous rien de tes après-midi. comment tu es venu au rugby? En fait, j'ai déménagé et tous mes voisins sont été au rugby. Et mes parents ils m'ont dit, écoute, l'ambiance de foot, c'est pas ce qu'on veut pour toi. Donc ça te sert à rien si tu pratiques un autre sport. Donc c'est tes parents qui t'ont incité aussi à aller au rugby? Oui, et après j'allais de temps en temps avec mes voisins qui me disaient, allez, on y va. Et voilà, un week-end sur deux, j'ai pratiqué un peu de rugby. Et petit à petit, j'ai commencé. Et voilà, j'ai laissé à côté. Bah, t'étais pas très bon au foot non plus. Hein, donc, non, j'étais bon. Je peux te dire, hein. C'était bon, mais bon. Là, faut pas déconner avec le foot, hein. Non, là. Mais la vérité, c'était comme ça. Et là, je suis très content. T'es heureux maintenant d'avoir joué au rugby. Merci de ton accueil. Avec plaisir. Ça a commencé un peu dans la pluie ce matin à l'entraînement. Ça finit sous le magnifique soleil du Pays Basque. Le soleil sur le drapeau argentin, c'est peut-être parce que vous, les Argentins, vous avez ce soleil en vous, j'ai l'impression. Souvent souriant, la joie de vivre et tout. Et je trouve ça bien. Merci beaucoup. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Hein. Pincho, querido, acá estamos. El Nico, tu papá, yo. Que queremos, bueno, hola, desde acá a la distancia. Hola, Negrito querido, aprovecho esta ocasión. Te quería felicitar por este premio. Hola, Martín. Felicidades. Bueno, Negro, la verdad. Que... Hermano mío, bueno. Negro, te felicito. Muy buena noticia. Bueno, Negro querido, el heredero de este premio. Bueno, querido Martíncho, en este momento, todos juntos que estamos aquí, no cabemos dentro de nosotros. Felicitaciones, Tim, por el premio.